Madame Lara. Bonjour à tous, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, au Puy du Fou. Donc, c'est vraiment une découverte pour moi. Là, on vient d'arriver. C'est bon, on s'est réveillé tôt ce matin à 7h. Il a fallu partir tôt. On a dormi à un petit hôtel. Voilà, on s'est arrêté à Cholet. Et donc, on est enfin arrivé au Puy du Fou. Je suis très content. Il va y avoir plein de spectacles. Je vais essayer de vous filmer ça. Maintenant, on se retrouve tout à l'heure. Donc, je sais pas trop ce que j'ai filmé. Bref, le vlog commence. C'est parti. Alors, ici, c'est la réception et le restaurant. Et là, c'est là où on va dormir. C'est voilà, plein de petites tentes. C'est super sympa vraiment. Donc je sais pas encore l'intérieur, on verra ça que ce soir par contre. Et donc là on va commencer à faire nos petites choses et on se retrouve après dans le parc. Alors là il y a un autre hôtel que nous, là où dort ma tata sûrement. Et là on attend pour rentrer dans le grand parc. Trop mignon. C'est beau quand même. Il y a papy mamie là-bas, ils sont. Alors là on attend. On est tout. Il y a la fameuse montgolfière qui est montée tout en haut. En fait. Il va effleurer. Qu'en penses-tu? C'est trop cool. Voilà mon golfière, elle descend. Il a avalé des trucs mais c'est... Ouais c'est ça. Bon. Il est comme moi, il a du mal à rigoler. Spectacle fini, maintenant on va aller à Rome, un truc qui ressemble. Nous voilà à Rome. C'est bon, on est arrivé, il y a un monde de fous. Donc en gros c'est les Gaulois contre les Romains et moi je suis. Et nous on est dans le camp gaulois je crois. C'est trop bien. Ouais mais c'est lui qui veut pas faire ses devoirs. Je me sens visé. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Thank you.
écran. Arthur, pourquoi as-tu brisé l'épée du royaume? De chevalerie. Alors là, c'était le chevalier de la table ronde, et là maintenant on va aller manger et reprendre les spectacles plus tard en espérant que j'ai assez de batterie et de mémoire. Bon, là-bas il y a un daim, il y en a deux même. Voilà. Comme dans le vlog à Antoine à Center Park. Bon, alors là il est plus de 16h et on a fait deux spectacles mais la caméra était interdite.